Bon, on va y aller pour cette bataille de la chute de l'ange, qu'est-ce qui nous va nous attendre? Xenos swarmed the homeland of Sanguinis. Talons rake across powered armor beneath the stony benevolence of our father. The synaptic core is restless. I am restless. The black dam is breaking. I see hands of flesh before me. I pick up my rifle. I know the angel is near, but his screams are deafening. I want to raise my hands to my ears, but they are metal again. And my head is confined within this coffin. The network wavers. The Adepta Sororitas tending to Angel's fall are being overrun. Sister Verity will receive a vox requesting reinforcements. She will comply and will learn something she does not want to. The liberation of Angel's fall awaits our arrival. Bon. Alors, la bataille de la chute de l'ange. La chute de l'ange a été construite à l'endroit où a été trouvée la capsule qui protégeait la jeune primarque Sanguinus. La grande ville qui s'est construite depuis est un témoignage de la noblesse et de la détermination de l'archange et de ses fils. La mission balle de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs entend être une aide de premier plan dans la restauration de Baal Secondus. La chute de l'ange reste largement abandonnée alors qu'ils construisent le siège de leur mission près de la base de la statue de l'archange. Ok. Donc on aura 1800 points d'armée, récompense 10 crédits de QG, et on aura les séraphines. Alors il me semble que dans le jeu de figurines, les séraphines c'était des volants. Enfin des volants avec des jetpacks, un truc du genre, à revérifier. Et j'ai l'impression que ça se vérifie avec ce que je vois de l'image. Donc 1800 points, ouais. Allez, let's go. J'avais vu ça il y a très longtemps pour les sœurs de bataille. Cursed Xenos! Taught them in the fires of the Emperor's light. Prevail upon them his infinite hatred for the alien. Ouais, c'est des cerveaux, donc toi qui as les jetpacks, ok, j'aime bien. Go! Relieve the sisters. The Blood Angels do not stand by while our allies fight our battles for us. Alors, on a 1800 points, on a 345 points de trop. Oh, bah alors, lieutenant, on coûte des points. Ah, c'est le supplément des... D'accord, ok. Donc, 345 points. Ok. L'archiviste coûte trop cher, il manque 15 points à retirer. Admettons, attends. Ah non, il me faudra encore 200. Admettons, attends, j'ai une idée. Je retire l'un des prédateurs. Je remets le landspeeder. Ah, dommage. J'ai 132 trop. J'ai 132 trop, j'essaie de réfléchir. Là, j'ai 225 en trop. J'ai combien de tactiques là actuellement? Et au pire je vire les squads d'assaut, tant pis. Hein. Je vire les squads d'assaut pour cette mission, j'ai pas le choix. Peut-être une erreur, mais je vois pas comment après. Alors. 50 points quand même, bon, faudra que je revoie mes options à un moment. Bon. À mon avis, c'est... Oh putain, c'est cool. Rien que pour commencer, Tervigon, Exocrine,
On a des séraphines ici, là. Il va falloir être réactif, quoi. Bon, ben, on va prier. Ok, nos sœurs ont pris les bonus, ça c'est cool. Je te conseille de fuir. Bah ouais, mais tu veux que je fuis. Je fuis où? T'as vu combien ils sont nombreux? Peut-être par là, à la limite. Par là, on pourrait échapper à tout ça. C'est le moins gardé de ce qu'on va dire. Heureusement que j'ai mis le bonus de PV, tu me diras. Je vais fuir par la... Par là, par la petite entrée. Alors, t'as combien de portées, là? Portée optimale 1. Bon. Ouais, mais là c'était une unité de séraphine, j'avais pas de grenade avec eux. On va avancer là. Toi pareil, tu cours. J'oublie personne là, non ça va. Bon, ça fait déjà une unité en moins, donc plus que 34 unités éliminées, super. Joris Dragnout ici. Allez, 33 unités. Allez-y, frère Kindar. Bien joué. Là, on a déjà liquidé 3 unités. C'est un début. Il y a un Tyrannofex. Il a combien de mouvements celui-là? 4, 1. Et attends. Il a 4 de mouvements, j'ai dit. Hein. On va tenter de le fumer. À 50%. Bien joué. Ça l'a bien entamé comme ça. Oh, ça va rien faire, ok, bon, on va oublier le plan. Alors, admettons, si je bouge, c'est mort. Well, 119. Bon, on va tenter de l'achever, hein. Et quand même 60 PV en moins sur l'animal, c'est pas mal du tout. Je suis plutôt satisfait. Ok, ça c'est pas mal. On va emmener le char à gauche ici. Le frère, vous allez venir là. Mon lieutenant ici. Vous, toi au centre, toi au centre. Bon, ok. Without hesitation.
Allez, 0-0, super. On va se mettre là comme ça. Eux, on va les mettre là en position. Il nous reste encore des agresseurs, je vais les mettre ici au cas où. Ça va être compliqué cette mission, je le sens. Bon, on a déjà liquidé 3. On en a une quatrième qui a moché. Mon guerrier a mangé, c'est bien. Ouais, il y a du people là. Aïe aïe aïe. Bon, ça va, des séraphines, c'est les séraphines qui prennent pour l'instant. Je pense que si on fait une percée là, il y a moyen de faire du dégât quoi. Qu'est-ce qui m'a tiré dessus? Aïe, ah, ils m'ont mis cher là. Bon, le médecin va falloir bouger un moment. Oh putain, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ah tiens, lol. Pourquoi je me fais toujours focus mes unités bizarrement? Bon, comment dire, t'avais réussi à sauver 2 unités de sœurs. Bon bah ça me rassure. Je suppose que le Tervigon est blindé, bah tiens. On va essayer de se retrancher, mais bon. Il a un mouvement de combien de l'animal? 1. Alors, 1, 2, 3. Il sera là au mieux, ok. C'est pas mal, mais... excusez-moi. Est-ce que je tente une grenade ou pas? Non, ça vaut pas le coup, une grenade ici. Le pire c'est que ces saletés là, elles sont armurées, c'est ça qui nous aide pas non plus. Et bien sûr, il faut qu'il reste un point de vie pour se foutre de ma gueule. Voilà, c'est pas mal. Bon, le frère là. Ah, c'est un premier, oh mon dieu. Attends, je suis sur la bonne route là. Ouais. Ouais, ouais, ça passe. Ouais, ça peut pas être sur toi, dommage. J'ai tenté de défoncer le premier, j'espère que ça va suffire avec notre lieutenant.
Ça peut passer s'il touche. Voilà. On fera encore un de moins. Bien joué, bien joué. Alors vous, là. Challenge accepted. Fire support. Alors le prédateur, on va le mettre là. Destination confirmed. The defensor Angelica stands with you. Je vais me mettre là en position avec le tank. Dis-moi que ça passe. Ah, il est blindé, je peux pas, putain. J'aurais dû tirer avec le canon. Vas-y, va me casser ce mur, il faut qu'on traverse. Oui, José, ne cassez pas les murs de vos voisins. Ça se fait pas. Bon là ils ont bien bouffé. Oh, il y a du Gen Stealer derrière, je les ai vus. Alors, le prêtre là, viens là toi. Merde. J'ai utilisé le lance-flammes qu'il fallait pas, tant pis. Bon, ça va. Et vous, ma sœur, vous allez venir ici. Et là, je sens qu'on va perdre encore des unités de sœurs. Là, ça me ferait chier, mais on n'a pas. Il se replie, ok. Yo, ils viennent. Ça va, l'exocrine à la manger. En vrai, on est pas loin d'eux sur le papier, mais bon. Je pense qu'une grenade sur les termagants et les gargouilles, ça peut nous mettre bien, quoi. Ça ferait deux unités liquidées. Bon, ça va, ici, grâce à la hauteur, on est bien protégé. Ah merde, j'ai oublié une unité de sort en arrière, là. Aïe. Bon, ça va, elles encaissent. Oh, il y a plusieurs unités là qu'on pourrait dégommer à la grenade. Alors toi. Pas mal. Les grenades peuvent one-shot les petites unités, on va faire ça. Et on va achever cette unité. Bien joué, c'est pas mal. Là on est en train de résister à leur assaut. Pas mal.
Là, c'est pas mal. On est en train de trouver un moyen de tenir la position. Je suis peut-être là, mais bon. Ok. Il y a ces deux-là, hein. C'est ça qui, c'est eux qui vont être les plus chiants. T'as un lance-flamme, toi. Bah, pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? On pourrait aller nettoyer ces gen-stealers en un coup. Ah, des Xaberis se déplacent, c'est marrant, ça. Parfait. Une autre unité en moins, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a là qui nous attend? Je vois une unité de Gen Stealer et une unité à mouchette Thermagon qu'on avait déjà attaqué tout à l'heure, ok. C'est pas mal. Là, le problème, c'est qu'on pourrait passer qu'à une unité à la fois, quoi. Là, on pourrait passer en masse. J'ai envoyé le lieutenant là. Le bal, je vais l'envoyer. Non, non, non. Oh, putain. Ah, fais chier, tant pis. J'entends de m'énerver pour rien. Bon, là on a quand même nettoyé en masse ici avec ces quelques unités, c'est plutôt cool, mais bon là il faut qu'on commence à se replier parce qu'il y a du people. Hein. Alors à moins que le lieutenant vous ayez... Oh, un point, tu pourrais faire quoi? Thermagon. Ah, il manquerait qu'une case là. En vrai, il faudrait faire un tir qui soit rentable, quoi. On va essayer ça déjà. Ah, il y avait quelque chose en dessous. Mais bon, c'était quelque chose qui pouvait bloquer, donc ça va être un gros coup, je pense. Bon, ça fait déjà deux unités en moins encore. On les prend. On a quand même quasiment descendu un quart de leur force. Ouh, par contre là il y a du people, ouais. Trois Gen Stealer d'arrêter, c'est plutôt cool. Aïe 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 aïe. Tu ne vas pas me dire qu'est-ce qu'il fait. Oh putain, il m'a anéanti une unité. One shot. Merci du follow à la personne. Je vais te le remercier. Ah, encore un faucon. Bon, bref. Eh, hey, vas-y. En vrai, là, on peut se barrer par là. Hein. On va essayer de se barrer comme ça et de revenir là parce que sinon je vois pas autrement. Qu'est-ce qu'il prend fou? Ah, c'est le prêtre, ça va. Ah, c'est des gargouilles. Une grenade là, ça va décaner, je pense. 23. Encore des gargouilles.
Dommage. Oh, il y a du mouvement, hein, ça c'est sûr. Perso, j'aurais rush à droite. Par là, avec les sœurs, tu veux dire? Ouais, bah... Ça promet, hein. Je vais me planquer là. Non mais là faut se barrer hein. L'autre lui on lui fera même pas un dommage. Bon, on va tenter de l'endommager hein. La force blindée à droite. Bon. Déjà, on va essayer d'endommager au mieux ce truc là. Bon, il va remonter à 290 à la fin, ce qui est normal. Hein. Alors, par contre, je vais tenter de lancer une grenade sur ces gargouilles. Ouais, je sais, il peut régénérer 50 points de vie par tour. Pas mal du tout. Là, il pourra pas nous atteindre. Est-ce que je tenterai pas de shooter? Non, il l'aura pas. Mais là, il pourrait les zigouiller. Après, il zigouille l'unité. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Tu le vois pas, je suppose. Tu as 35% quand même, je vais le tenter. Bon, au moins on a tenté ici, c'est cool. J'ai oublié des agresseurs en arrière. J'ai envoyé mon blindé là. Voilà, plus que 20 unités à descendre. On a déjà 3 là que je vois, 4 ici. Ah oui, il y a le prêtre qui avait été attaqué dans le dos. Oh putain, une exocrine, bien sûr. À ce moment-là, t'as une exocrine qui t'attaque dans le dos. Pourquoi il me faut toujours que les gros trucs, ça me tombe quand j'ai pas envie? On va se planquer là. Et là, on va tenter de focus l'exocrine. On sait très bien ce que ça. On se rappelle très bien de la première bataille d'embuscade. Il va la démonter. Ah, déjà, on va faire ça. Allez. J'espère que ça va suffire.
Ah, t'as pas assez d'action, merde. J'ai pas encore dit mon dernier mot. C'est du lanceur lourd là. Allez mon grand. Allez les gars, achevez là. Bien. 18 unités. Hein. Kindar, tu pousses là. Toi tu viens là. Toi tu pousses là. La sœur, tu viens là. En vrai, je vais monter comme ça, j'ai une idée. Allez, avancer plus, non, mais toi non plus. Toi. Oh, attends, j'ai une idée, on pourrait faire une embuscade là. Je viens de compter combien d'unités là, 5-6 environ. Attends. J'espère que ça va suffire. Et le char, je vais le mettre en première ligne pour qu'il encaisse. Lieutenant. On peut pas me refaire une petite frappe des fois. Non, pas pour cette tour. Bon, on a fait pas mal de dégâts, on a quasiment liquidé la moitié de l'armée. Il va attaquer le char. Bon, ça va. Là, il fait le con. Je sais pas ce qu'il veut faire. Alors, je sais pas pourquoi il voulait se mettre au milieu des trois unités. Alors, je vois du mouvement. On va essayer de passer comme ça on va sécuriser un peu. Monter l'escalier là. Enfin, pour les survivants, bien sûr. Bon, au moins on l'a amoché, on l'a occupé, ça va l'occuper un peu. Il y a deux autres, il y a trois escouades ici, dont deux Genstealer et des Thermagons. Enfin, ils en ramènent d'autres encore, sérieux. Du cul. Ah, ils ont pu me toucher de là. Bon, pourquoi pas. Toi, t'as le fuseur. Oh, là, les séraphines ne vont même pas survivre. Hein. Qu'est-ce qui m'a tiré dessus? J'ai pas vu. Bon, il y a des unités qui sont réapparues. Ça, c'est chiant. C'est ultra chiant même. Ah non, je tente un gros shoot, mais bon. Je vais le tenter sur quoi? De portée. Ça fera rien. Le second Dragnout. Frère Kindar. Ah, tu peux toucher à 70% là sur l'exocrine dans le dos. Bon, tu sais quoi déjà, tu vas avancer là. Le frère, tu vas suivre. Il y a encore une squad là, c'est pas possible. Hein. Victory for the Black Knights. Victory for Scott. Bon, ça, notre bâtiment nous aide là. C'est la ponte des Tervigons. Ah oui, c'est vrai, ils peuvent pondre, c'est vrai, exact. Bon. On l'a amoché, là, c'est bien. Je peux toujours rien utiliser, ça, c'est chiant. Without hesitation.
me reste encore une grenade, je crois, qu'une des sœurs. Ouais, il me reste une grenade. Quoique... Ah oui, t'es pas à portée, merde. Alors, attends. Je vais me mettre là, déjà. Ah, bien joué. Là, on va se mettre en surveillance. Oh, il y a un gène stealer là-bas. Je vais les replier là. Ok. Parfait. On va tenter le fuseur. Hein. Bon, ça en touche qu'un, mais bon. C'est toujours un de moins, quoi. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors là, on a un problème de taille. On va tenter de le dégommer. Envoyer le chat en premier pour aller déboulonner quelques têtes. Allez. Allez, dégage, rentre chez toi. Les agresseurs, à mon avis, si je mets leur habilité pour remonter le corps à corps, ça peut être une unité terrible. Hein. Bon, là, il n'y a plus rien. Bon, on est en train de bien réduire leur nombre, ça fait plaisir. Là, ils m'ont énervé, eux. Voilà. Le Crogenaxi en a marre. Il en a marre de son boulot. Je vais utiliser le truc pour voir pour le lui, là, pour après. Peut-être que je devrais passer avec le char, là, en vrai. Ouais, mais vous, faut que vous vous barrez parce que sinon vous allez vous prendre un tir. Ça va être violent là. Bon, ça va. J'ai une unité qui est quasiment à l'abri. Ça, s'ils tentent de bouger tous les deux, bah ils sont dans la merde. Ah, il y a encore lui là, c'est vrai. Bon, on fait au mieux, hein. Oh là là, on va en perdre des unités bêtement. Ah voilà, on en perd deux. Ok, il va falloir les défoncer au corps à corps. Là, il va falloir que je ramène mon commandant et tout. Hein. Ils sont 4 là.
Ok, il a encore eu un là, c'est bien joué. Alors je vais mettre quoi? Mouvement, bouclier de sanguinus et découpage. Vous, vous allez vous barrer le plus loin possible. Voilà. Mais elle va nous faire toutes les troupes de corps à corps. Parfait. Oh, attends, t'as le lance-flamme. Ah non, toi, c'est le fuseur. Tu pourrais peut-être le dégommer dans le cul. Ah, t'es dommage. My vigilance is eternal. Your command? Allez, go 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 les sœurs là. Alors, tente d'en tuer un ou deux. Bon, c'est pas mal. Bien joué, encore un Gene Stealer d'éliminer, c'est bien. On va se mettre au pas de course ici aussi. Par contre, eux, ils sont très loin, mes agresseurs, hein, je ne vais pas vous le cacher. Bon, bah, on va tracer, hein. Il y a une exocrine là-bas, allez chercher. Ah, il y a des harpies, tiens. Lol. Ça fait un moment qu'on n'en parlait plus d'elle. Bon, on va ramener le techno là, je sens que ça va y avoir des problèmes. Dans le dos, bon ça va. Mais là il faut que le fuseur il bosse. Il y en a deux qui ont été pris dans le tir, c'est cool. Et bien sûr vous pouvez attaquer. Bien sûr. Allez, des petits coups pour pousser, ça leur apprendra. Ah, il va les achever, bien joué. Non, non, c'est intelligent. Allez, vont voir courir les sœurs. Tu veux...
Ok, leur impulsion, elle monte, c'est bien. Bah oui, on met tout sur des sorts, parce qu'on est des sacs. C'est tout? Bon, ça va. Bon. Courez. Et là, je vais faire en sorte qu'elles, elles se tirent là. Elles ne seront pas exposées, logiquement. Attends, t'es en train de me dire que tu peux pas les viser? Bah si, quand même. Parfait. Alors lui, c'est la portée optimale, elle est à combien? Elle est à 2. Si je me mets là, je suis à portée optimale. Il faut abattre ces, les gros monstres maintenant. Allez. Oh, joli. Quoi, seulement 95, tu te fous de moi? Il m'a riposté. Bon, il a encaissé, c'est bien. Qui arrive là dans le dos et qui canarde. On va se tenter ça, écoute. Hein. Je vais pas envoyer le lieutenant en première ligne faire le show non plus. Ce serait une grave erreur. Donc là, on a pas mal d'unités qui sont regroupées, mais bon. Pas mal. Maintenant faut que les lance-lames ils bossent là. Les lance-lames, les plasma ils bossent. Salut Momon, comment vas-tu l'ami? On va tenter d'abattre ce dernier. Ça suffira pas bien sûr. On doit retirer pas mal de points de vie quand même. Vous vous pointez à vitesse grand V. On est en train d'essayer de sauver un coin et c'est un peu compliqué. Ah, je l'aurais pas comme ça, ça. J'ai tenté un truc de buffer. On a mis plus de points de vie au Dragnoot. Je vais le mettre dans le dos, comme ça on sera sûr. Là, pareil, on se rapproche. Vite, planque-toi là, toi. Tu peux peut-être shooter. Oh, l'exocrine, tu peux la shooter de dos? Bah, je dis oui. Ah, alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Momon? Ah putain, je les ai mal mis en position, tant pis. Pourquoi ils se sont mis comme ça? Bon, bah... Les agresseurs, ils ont eu chaud. Et encore 11 unités. Et eux, bien sûr, ils vont rien subir. Ouais, très intéressant.
Oh, ils ont eu chaud pour l'instant. Ah, il m'attaque de dos, logique. Il y a lui qu'il faut vous zigouiller aussi. Bon, ça va. Allez, sœur, vérité, triomphe d'un Tyrannophex. Parfait, bien joué. Bon, les sœurs, on va les faire courir. Alors, le technomage. Alors là, on sait quoi? C'est le lance-flamme lourd. Allez, on va lui mettre 3 dragnoutes sur la tronche. J'espère que ça va suffire. C'est un Tervigon, hein, je rappelle. 72 points de vie. Allez. Bon, il nous met cher, hein, fallait s'y attendre. Alors si je mets du lance-flamme, ça fait 3 quarts, ça fait 30 à 40 et là 90%. Allez. Pas mal du tout, allez. Oh, 5 points de vie, t'abuses le jeu. On va tenter un coup. Allez frère, tu veux au moins quelque chose dans votre vie? Merci. Par contre, pour l'information, fin en vie de la scène entre... Ok, la petite sœur. Oh, à mon avis, quand on va les revoir, ça va pas être des retrouvailles, si tu veux, mon avis. Mon... Et je pense que la série OK, justement, elle va se consacrer à la formation de sa fille aînée, qui est Archer, qu'on a vu dans Endgame. Mais ça donne envie, effectivement. Là, le MCU, il a encore un bon moment devant lui. Hein. On a shooté quoi? Une exocrine ici, OK. Il en reste 10 unités, là j'en compte 6. Il y a le Tervigon en arrière encore, putain. Eh bah tu sais quoi? Ça va être l'heure du nettoyage là, de printemps. Là ça m'énerve, il faut dégager ces 2 unités. Bon ça, je sais pas si ça fera quelque chose à lui, mais c'est toujours ça de prix. Ah si, ça l'entame, bien. Voilà. Et je vais mettre en... Par contre Kinder il a mangé hein. Je vais le reculer. Le Dragnoot là est revenu neuf. Oui, ça reste beaucoup. Bah là, prochainement, ce qui sort, il y a Shang-Chi, si je me souviens bien. Avec les 10 anneaux, ça m'intéresse. On va tenter une attaque dans le dos de cette saloperie là. Attends quoi, j'ai pas assez de points d'action, tu te fous de ma gueule? Bon ok. Nous on va se mettre là avec eux. Eh bah, ils sont que deux mais ils l'ont bien réduit. Hein.
si je verrais une Pontiac. Ah bah ça. Ah les Pontiac. C'est des bonnes voitures, je crois, ça. Bon là, l'exocrine, elle est engagée. Ici, on a qui tente un mouvement. Ah oui, j'ai encore ça là derrière. On va ramener tout ce qu'on peut. Heureusement qu'ils sont, ils tankent mes véhicules. ~42%. Allez. Au moins il est sur la barre des 300 points de vie, ça c'est cool. Bon, les sœurs, vous barrez, vous vous battez plus jusqu'à nouvel ordre. Attends, j'ai oublié quelque chose en arrière, c'est quoi ça? Oh, j'ai oublié d'El Blaster, putain. Ouais, bonjour. Il va attaquer quoi? Ah oui, il va attaquer là, bien sûr. Là, le thermagon, il va falloir faire gaffe. Bon, tu lui as retiré 49 points de vie, c'est pas mal joué. Attends, il va faire quoi? Ok, tout ce qu'on a fait, faut recommencer. D'accord, j'ai compris. Ouf. Ok, lui va falloir zigouiller. Bon, on va remettre un petit passage. Voilà, on va tenter comme ça. Par contre, là, on a un gros souci là. Bah, attaque le dos, c'est bien. Bon, de dos, il fera rien. On va reculer avec eux, il nous attaquera pas. La grenade, ça peut toujours être utile sur un boss. Ça, c'est un gros monstre. Bon, 6 points de vie, ok, bon. Utilité modeste, hein. On va le mettre là, comme ça, il va s'occuper de lui. Mon prêtre, là, il faut qu'il se soigne. Frère, vous allez le réparer. C'est quoi ça? C'est un fuseur. 80%. Allez. Bien joué. On va essayer de le saucer. Allez, tente de shooter ces petits thermigons là. Pas mal joué là. Bien. Ah j'ai pas de cible à porter, vraiment. Ouais. Bon, on va faire ça. Pas mal.
Ouais, génial, il n'y a plus de pondeuse, ça y est. Pourtant, on a un autre problème là. Et j'ai encore oublié des unités un peu partout. Merde. Venez là, vous. Donc là, il nous reste 6 unités. On va se regrouper. Donc là, il en resterait 2. Peut-être qu'elles sont là-dedans. Hein. On sort les 100 points au tank. Ok, d'accord, je vois. 5. Oh putain, une exocrine là, sérieusement. Du dégât. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est qu'une unité d'intercesseur, on va dire. Et là, tu me l'achèves. Pas mal joué. Bon. Tout le monde en vitesse. When the day is darkest, we prevail through control. Order confirmed. Your orders. Alors on va tricher avec eux. Always forwards. Donc il y a 2-3 unités par... Oh, par contre, les sœurs de bataille, vous allez vous barrer. Je vais laisser les intercesseurs avec eux, comme ça, s'il y a un pépin. Donc, il va y avoir du monde là. J'ai un lance-plasma qui est dans le coin. C'est les lanceurs lourds, bon. Ok. On va les soigner parce que bon, ils font de bon, même s'ils sont que deux. Posez en paix, frère intercesseur. Bon, il y en a déjà 2 de tombés à chaque fois. Là, on va tenter une frappe comme ça. On va essayer de nettoyer comme ça, juste pour voir ce qu'il y a. Bon là, là c'est encore une unité qui traîne, je sais pas où. Ça va. Et bien sûr, je peux pas agir, putain. Bon. The sanguinary priesthood serves the will of the chapter. My faith is strong. Bon.
Donc on va tenter là. Dans le doute, on va peut-être sécuriser aussi le centre. Je me méfie d'une attaque. Bon, les sisters, on va continuer de les replier. Je pense pas qu'il y ait quelque chose là-bas, mais sait-on jamais. Ok, encore une autre unité là. Allez. Bon, elle a bien bouffé, c'est bien. Alors, mon drague, tu viens là, toi. Le frère, tu vas être réparé par le techno. Pas mal. Voilà. Ah bah tiens. Past, future, there is only service to the Emperor. Bon bah tout pas si tout va bien, je vais pas te... Bon, je t'aurais un peu battu sur le papier avec les trois unités de sauver, même si elles sont dans un sale état. Mais bon. Bon, je pense que j'aurais pu en sauver. Peut-être l'autre unité de Séraphine, j'aurais pu la sauver rapidement, je pense. Comment... Donc ce qui va mener à la fin de cette mission 15. Bon là on serait juste, ils ont plus que ça. Ils vont me tirer sur le lieutenant. Bon, on a chopé 3 points sur les 7. Bon, c'est bien. C'est correct. Donc, si tout va bien, là, on a terminé la mission 15. Donc, ouais, donc il nous restera au plus tard 5 missions. Donc, au plus tard, si tout va bien, vendredi, on termine la campagne. Ok. Bon. Bon bah ça devient... On commence à s'approcher de la fin de cette campagne. Alors gestion de l'armée. On a perdu 2 unités. Ok, donc on a ça. On a perdu une unité d'intercesseur. Alors attends, j'en ai pas une en réserve justement qui a fait un peu de bataille. Voilà. Bon, en réserve, on a plein d'unités, tu me diras. Je pense que 4 unités en réserve, c'est pas mal comme ça. Je vais transférer à Ryu mon tornado là. Elle a l'air pas mal, elle. Je vais juste mettre la mise à niveau du QG, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir, il est 23h20. Ouais, on va s'arrêter là, je pense on progresse bien petit à petit, c'est cool.
Alors on a 13 points. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec 13 points? Là, le technomage, on a pas complété pas mal de ces trucs, c'est faut quand même le dire. Ah, c'est d'accord. J'ai compris. En fait, ça, les unités. Je pense qu'on a avec Kindar, on a encore une unité là. Parce que ça, tout à l'heure, c'était bloqué. Alors, ma question, c'est est-ce que je partirais. Alors, 3. Là, j'ai 13 points. Est-ce qu'il me resterait 2 points à caler quelque part ou pas? On va tout caler sur. Sur la sœur, je m'explique. Je vais prendre Fureur et Foi. Foi et Fureur. Ça va augmenter 10% de chance de s'éclencher lorsque c'est une idée, tu as un modèle ennemi, il ne peut s'appliquer qu'une fois par jour. Ça va lui donner 1 point d'action et 30% de dommages. Ensuite, je vais lui prendre l'épée énergétique. Qui va bien nous aider, je pense. Et je vais prendre le pistolet à plasma. Là, on va commencer à taper dans du sérieux, quoi. Il me reste encore 2 points que j'ai oublié. Merde. Et les 2 points, bah, tu lui mets là. Mission bénie pour les sœurs de bataille. Voilà, je pense que les sœurs de bataille vont commencer à taper un peu quand on va les utiliser. Alors, admettons. Là, elle va nous coûter 85 points. Ouf. Putain, lui, ouf, il est là depuis le début. Hein. Et Taureau normal. Et eux, ils ont un truc en moins parce que, ben voilà. Bon, je pense que mon choix était cohérent pour renforcer la sœur, mais bon.